Salut, je viens de finir ma transhumance de la Saône-et-Loire jusqu'en Corrèze. Alors j'ai fait ça très vite fait parce qu'il faut vraiment que je pose mes ruches. Il est 8h du matin maintenant. Un beau soleil au sud-est, soleil levant. Très très beau soleil, jamais le regarder dans les yeux. Bon, je vais finir de m'habiller et ouvrir pour voir ce que ça donne. Commencez pas à m'attaquer. Elle doit être vraiment en colère parce qu'il y avait beaucoup de virages, beaucoup de sursauts. Bon, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle se calme un peu. Puis ensuite, je repositionnerai les portes correctement. Alors, je remercie aussi David19 pour le prêt de sa petite remorque. Je pensais pas à quel point c'était utile une remorque. On peut y mettre tellement de choses et voyager tellement loin. Bon, au niveau de nos abeilles, elles sont toujours un peu excitées, mais c'est normal, elles respirent beaucoup mieux qu'en Saône-et-Loire. Il y a plus d'espace, moins de pesticides. J'en ai profité pour transhumer aussi les poules. Elles étaient confinées dans le poulailler. Mais à mon avis, elles ont dû faire une attestation de sortie influencée par certains youtubeurs. Arrêtez de me suivre! Alors, désolé pour les secousses, j'ai pas de stabilisateur Ronin. Je crois qu'elles vont finir par me suivre jusqu'aux abeilles, il va falloir que je les reconfine. Et voilà. N'importe quoi. Bon, allez, à plus tard. Et surtout, rock and roll!